Bonjour à vous les amis, on se retrouve ensemble pour attaquer la suite de notre découverte de MQUL, puisqu'on va l'appeler comme ça pour être un petit peu plus court. Et bien voilà, donc on a eu une première partie très hack and slash, où on a mis carrément une branlée à la plupart des mobs, et maintenant on va enfin construire notre château, donc bien vu dans notre, enfin notre château. Voilà, donc voilà exactement, on l'a mis, oups, j'ai un peu passé là, c'est pas de la cam de Pouilleux ça, non madame, cette première propriété grand luxe possède une tonne d'équipements préinstallés, on fait la visite, bah totalement mon ami. Donc voilà, apparemment... C'est ça la partie Tower Defense, c'est qu'on va construire notre propre château dans lequel les joueurs viendront nous agresser et essayer d'éviter nos pièges. Donc voici le cœur de votre château, c'est une pièce très importante. Il permet l'aérostationnement du château, mais il est surtout votre source d'énergie principale. Pensez à améliorer le cœur si vous désirez améliorer d'autres éléments. Mon trésor, parce que mon coffre il est pas torride. Et une fois au max de vos réserves, vous pouvez l'améliorer pour conserver encore plus de trucs. Génial! Voici votre réserve de force vitale, c'est vrai que vous conservez tout le jus nécessaire pour construire des bidules. Très bien mon ami. Alors quand est-ce qu'on construit là? Ça en fait de la parotte et de la balade, je vais m'asseoir quelques minutes. Profitez-en pour vous montrer que vous avez tout compris. Construisez un chouette entraîneur de héros. Vous m'avez l'air un peu grassouillé. Il y avait une petite faute d'orthographe là encore. Alors, pas pour faire chier le peuple, mais attention les fautes d'orthographe, les développeurs quand même, parce que c'est un peu déconné. Toutes les fonctions du bureau de l'architecte, bah pourquoi pas, on va suivre la petite main. On va suivre la petite main. Un entraîneur de héros, tout à fait. J'achète l'entraîneur de héros. Et je vais me le mettre. Bah apparemment il a plutôt envie que je le mette là-bas. Ah non, j'ai envie de le mettre à droite moi. Je suis comme ça moi. Ah je suis comme ça mec, faut pas me faire chier. Alors, ces ouvriers prennent du temps, il n'y a pas à dire, je vais les motiver financièrement pour les secouer un peu. Bah c'est très bien. Et ne pensez pas à accumuler les blinks pour l'instant, je vous en donnerai plus tard. Comment ça tu vas me donner des sous plus tard? Je demande à voir mon ami. Ah oui, et le fait de payer, vous voyez ? Le fait de payer, eh bien, ça vous donne... ça va plus rapidement, en fait, pour faire construire un truc. Donc, voilà, déjà, un petit côté free-to-play, à mon avis, qu'on trouve ici. Une petite mécanique de free-to-play. Donc, maintenant que la machine est terminée, cliquez à nouveau sur l'appareil pour voir toutes ses fonctionnalités. Eh bien, très bien, mon ami. Héros. Ah, apparemment, c'est peut-être le truc pour... eh bien, pour améliorer mon héros. Alors, c'est ici que vous consultez les informations sur l'amélioration. Pour confirmer la sélection, cliquez sur achat. Bon, bah écoute, bah vas-y, j'achète quoi. Toutes mes thunes que je viens d'économiser durement, bah voilà. Nouvelle aptitude débloquée, nouvelle aptitude est disponible. Allez, fais-moi voir ça. Qu'est-ce que t'as dans le pantalon? Ah d'accord, ah, il y a maîtrise, il y a technique de combat, il y a trois trucs quoi. Chaud, chaud, chaud. Coup de poing, vous frappez violemment rapidement une créature en lui faisant 38 de dégâts physiques. Un coup de poing n'inflige pas de dégâts critiques. Ça par contre, ça coûte du mana. Donc voilà, en fait... Je le mets donc en 1. En fait, je pense qu'avec l'attaque de base, vous chargez votre mana. Vous savez, un petit peu la même mécanique que le guerrier dans WoW. À mon avis, c'est ça. Waouh, vous pétillez de forme. Dites-moi, vous êtes carrément pétillant comme bonhomme. Ouais, d'accord, mon gars. Bon, maintenant, il s'agit de s'assurer un flot continu d'or dans vos poches. Et pour cela, il n'y a pas mieux que d'en créer soi-même. Bah, je suis assez d'accord, mon ami. À l'excavateur, disposez une mine d'or. Très bien. Bah, si ça me file des sous, mon gars... peuvent être achetés dans le bureau de l'architecte, puis placés n'importe où. Ok. Ben, je vais tout de suite en acheter une. C'est vrai que c'est bien l'argent. Hein. C'est bien l'argent. Alors, si j'avais cru qu'un jour je dirais ça, sérieusement. Bah, ben, je peux pas la mettre là. Elle est où, du coup? Je vais la mettre n'importe où. Les mines d'or peuvent être achetées... Ah, c'est ça? Non. Placées n'importe où dans votre château. Bah, ben, apparemment, non. Vous ne pouvez pas placer ça ici. Et pourtant, je suis dedans. Donc, ok. Ok. Un petit lag là quand même, pas très sexy. Où est-ce que je peux la placer? Alors, attendez, on va faire un petit zoom arrière. Peut-être que c'est dans la zone extérieure. Ouais, voilà, c'est dans la zone extérieure. Donc, ben, je sais pas, on va peut-être se les mettre tout au bout plutôt, près de notre coffre. Je sais pas, moi ça me semble plus logique. Donc voilà. Ben, si je paye, je peux... ben, je vais payer. Hein, ça me coûte un cristal, j'en ai quand même pas mal vu que j'ai payé, voilà. Comme ça, ça valide. D'autant plus apparemment, c'est ce qu'il fallait faire, ça tombe plutôt mal. J'ai l'impression qu'on frappe à la porte d'entrée, vous devriez voir qui c'est. Et voilà une charmante grenouille. Préparez vos escourtes pour le message de mon maître et seigneur, du prince du biscuit, le roi du crado, le très honorable comte Vormorvula. Sa dégoulinante seigneurie a eu vent de vos récentes prouesses et vous offre un avisé conseil. Ne tentez jamais, sous aucun prétexte, de piller son impénétrable forteresse. Bon, en gros, toi tu vas prendre ton tarot à la prochaine mission. Un héros aussi faible et pathétique que vous ne sera jamais assez fort ou preux ou je sais pas quoi pour y arriver. Eh bien, on va tester ça sans plus tarder, je pense. Hein. Alors ici, on peut voir qu'on a des petits onglets, notes défensives, nombre de salles, bon...
il y a une vraie dent contre vous, le gros crapaud. Ça a des dents, les crapauds. Lalalalal. Bon, enfin, vous n'allez pas vous laisser faire comme ça, n'est-ce pas? Si nous partons en guerre contre Morvula, nous devons nous préparer. Allez hop, on s'équipe. Eh ben, vas-y, mon gars, moi je suis chaud là. Fini la phase de construction. Disposé, eh ben, vous voyez, en fait, voilà, ça me rembourse. La récompense me rembourse mon investissement, donc c'est plutôt pas mal. Disposer une forge et une distillerie, ok. Bah apparemment le bureau de l'architecte ça va être un gros classique. Alors portail d'invocation, forge, allez c'est parti, truc de guerrier j'aime bien. Truc de guerrier on va le mettre près de l'entraînement, moi ça me semble à peu près logique, voilà. On va recentrer tout ça. La distillerie de l'architecte, ouais ça met 3 secondes donc pas la peine de raquer pour rien. Très bien. Et distillerie de l'architecte, distillerie ça m'a l'air d'être un peu un brawl donc on va mettre ça à droite, vous voyez ça m'a l'air un peu... C'est peut-être un truc de mana ça, un truc de mage ou je sais pas quoi. Un truc casse-couille quoi. Un truc relou. Voilà, bon 5 secondes, abuse pas trop sur les temps hein, quand même. Alors je vais vous apprendre à créer une potion. Oh relou, relou, j'ai pas envie de ça là, j'ai envie de bastonner moi. Bon, allez distiller les potions. C'est bien parce que c'est toi là. Bon ça lag, il y a des petits lags hein, de temps en temps, vous avez vu. Bon ça c'est le propre d'une bêta, je vous ai dit c'est de l'archi-bêta donc il faut pas rêver. Ah d'accord, et pour la distiller, en fait, je dois l'acheter, quoi. D'accord, c'est comme ça. Ça vous démange de porter un meilleur équipement. Je vais vous montrer comment faire. Montre-moi. Ah, mais je vais certainement le fabriquer, hein. À mon avis. Alors, ma première épée, bah écoute, elle tape à combien? 8? Tu te fous de ma gueule ou quoi? J'en ai une qui tape à 11, mec. Eh, j'en veux pas de ton épée. J'ai pas envie de la faire. Ah, mais j'aurai des points de vie en plus. Pff. Ouais, j'aime bien le marteau, moi. Ça fait gros grudule, j'aime bien. Du coup je l'ai, attention de pas cliquer plein de fois parce que... Vous voilà prêt, lorsque vous avez fini d'équiper, rejoignez-moi, je suis obligé de l'équiper en plus Tadob, super. Voilà. Eh bien, bah vas-y mon ami, hein. Voilà. Avant de vous en prendre à Morvula, attaquez donc quelques châteaux plus faibles. Eh bien écoute, ce sera avec grand plaisir. Où est-ce qu'il est le père Morvula, c'est ça là? Explorez en faisant glisser la souris. Ah, il y en a d'autres. Vous devez vaincre le comte Morvula à châter pour atteindre... Attaquer les châteaux niveau faible pour atteindre le niveau 5 et attaquer le comte Morvula. Ok, bah très bien. C'est lequel le Morvula? Je peux pas me le faire direct. Il me plaît bien moi celui-là, le Morvula. Bon, apparemment ils veulent pas. Bon, je vais attaquer dans l'ordre. Allez, on va se le faire dans l'ordre en mode honnête, quoi. On va commencer par le niveau 1, de toute façon on n'est pas pressé. Bon, excusez-moi les amis pour mon reniflage constant et instant festif. Je sais bien que c'est un peu relou, j'imagine. Mais là j'ai un de sérum, vous avez pas idée. Ça j'ai été faire, j'habite à Lille, pour ceux qui habitent dans le coin, il y a la grande roue sur la grande place. Et j'ai été faire la grande roue avec mes sœurs pour leur faire plaisir, mes petites sœurs. Et au final je me suis chopé un putain de rime, je raconte pas les boules. Donc tiens, je vais direct pilonner. Ah voilà, là déjà il y a un petit peu plus de résistance, il me faut deux coups pour les tuer, il était temps. Voilà mon gars, bon, enfin quoi que cette attaque là ça marche toujours. Et là vous voyez j'ai gagné du mana et je peux lancer mon attaque si je trouve un ennemi, une bonne poire à qui le faire. Donc c'est bel et bien un système comme dans WoW, un système de charge. Et là, vous voyez en fait en mono cible c'est plus rentable de les... c'est plus rentable de leur mettre des pains comme ça, de leur mettre des clics gauche. En plus ça va plus vite, donc tant mieux. C'est bon à savoir. Hop, 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 pas de cadeau spécifique, un petit pendentif des familles là. Je peux toujours pas équiper en cours de route, c'est dommage ça quand même, c'est quoi ça? Ouais, ça c'est mes quêtes, on s'en fout. Allez hop. Hop, ah, d'accord. C'est pas dur à calmer ça. Hop. Bah pour l'instant c'est quand même assez chaud de générer de la rage hein. J'aimerais bien tester cette nouvelle attaque mais je vais le tester là, vas-y mets-lui en pain. Il meurt tout de suite aussi. Aucune chance que je puisse tester mon attaque. Allez là, toi tu vas prendre ton pain toi. Voilà. Bon apparemment voilà, c'est du gros dégât mono-cible, d'où la nécessité de la charger. Bon, vous pouvez voir qu'apparemment, pour l'instant, je prends vraiment que dalle niveau vie, il a l'air vraiment à me tuer. Hop hop hop, on ramasse tout ça et on attaque. Ça y est là, c'est déjà fini le château. Eh ben mon vieux, va falloir du plus costaud hein. Va falloir que tu t'accroches. Vous avez vu, apparemment il y a un temps limite en haut à droite, j'ai un petit chrono. Peut-être que c'est un bonus si j'arrive à le finir plus tôt. Donc là pour l'instant je suis vraiment très large. Alors évaluer le château Old Fort pour découvrir la récompense. Bah franchement désolé, c'était un château complètement daubé, il n'y avait pas de piège donc je vais pas te mettre une bonne note mon pote. De quoi apparemment il y a un petit système pour noter le château. Ah d'accord, il y a tout cela. Il y en a une chier. Ah il est tout en haut le Morvula, ok. Mais bah vas-y à l'attaque. Hop, château mort, on va se les faire. On va se les faire en mode tourbilol. Apparemment ouais c'est ça, vous faites votre château.
Et y a d'autres mecs qui viennent dedans foutre la merde. Donc c'est plutôt cool. Moi qui aime les Tower Defense et qui aime les hack and slash également, j'aimerais que ces deux aspects qui sont plutôt cool de les avoir en un jeu. Tiens, et toi, un petit pain mono cible pour terminer, pour te montrer que je suis pas gratos. Je vais mettre mes mains sur le clavier, je vous avouerai que là je joue à une main avec la souris en mode gros fainéant. Je vais vraiment me la jouer un peu sérieusement là. Voilà mon ami. En plus j'ai 4 potions, j'en ai acheté une, ça m'en donne 4. Donc ça c'est bon à savoir. Heureusement j'imagine qu'elles sont très utiles dans l'avenir. Ah là un petit coffre là, tu m'auras pas de ça avec ton pacule là, je t'ai bien vu venir. Vas-y tiens, je te mets un pain mon gars. Ça marche bien le pain, par contre c'est bien réactif, regardez. Ah merde, j'en ai fait un sur le tonneau là, franchement c'est parti directement. Donc là voilà, des premiers plèges, il va y avoir la map. Je sais pas si vous avez vu mais mon personnage a bloqué une attaque. Voilà, je te mets les pains, il y a un temps de recharge sur le pain apparemment. Je vais continuer comme ça, là je les tape tous. On peut voir que ça y est, hein, je commence à prendre du dégât là. En même temps j'ai foncé dedans comment sauvage là, c'est un peu normal. Pas déconner. Allez là, allez mon gars, voilà. Alors ici, hop. On va se les pilonner aussi ceux-là. Bah pour l'instant ça se limite un peu vraiment à du gros multi-cible. Hein. J'ai encore chopé une arme, super, faudrait que je pense à aller voir ça après la fight. Une petite cheminée qui brille pour pas grand chose. Ah j'ai bu une potion. Merde, je voulais pas. Je voulais pas prendre de potion, c'est pas grave. Ici on va essayer de s'éloigner de la flamme en attirant tous les mecs. Comme ça ils se mettent bien dans ta. À la queue le. Et voilà. Oui, oui, oui. Ah ça c'est le miracle du petit côté bêta. C'est toujours sympa. Allez, un tentacule là, on va l'avoir en mono-cible. Le mono-cible marche vraiment très bien aussi, donc je vais pas hésiter à m'en servir. Hop, hop, ici le petit piège franchement. Lolololol. Et ici, un petit peu de monde là, enfin. J'ai tenté de mettre un pain pour voir. Non, le pain là, c'est vraiment du multi quoi. Donc ce que je vais faire, je vais bien dessouder tous les mecs. Et sur lui, je vais lui mettre un maximum de coups de poing. Tout en restant en mono-cible. Ah, les pains font quand même du bon dégât. Hein. Vous voyez que là, ça s'est géré, mais tranquillement. Hop, je fais mon petit tour. Une petite armure de maille, bien, 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 qui va gonfler ma résistance. Je vais bien nettoyer tout le château avant de me casser. Un pain dans tes dents, mon gars. Ouais, le pain fait du gros, gros dégât, apparemment. Je suis passé par là. Ouais, c'est bon. Voilà, donc fin de ce petit donjon. Ma foi, bah, pas mal du tout, hein. Ça, c'est ce que je préfère, comme il ouvre les portes. C'est vraiment génial. Ouais, je me régale. Allez, hop, on voit les cadeaux, mon ami. Et au suivant, pas de pitié. Chut. Vous avez vu qu'il m'a fallu un petit peu plus de temps pour le battre. Hein. Donc bah celui-là, ma foi... Ouais, franchement, il était moyen, on va pas... J'aime pas être méchant, hein. Je suis pas un salaud, mais... Je trouve qu'il aurait pu... Parce qu'il faut noter l'intérêt, pas la difficulté, c'est normal, c'est le début, mais... Bon, il était intéressant, mais pas plus que ça non plus, une note moyenne, ça suffit. Il aurait pu être un peu plus alambiqué, je trouve, encore, avec un peu plus de pièges. Donc je vais aller me choper tout de suite... Un petit... mais ça c'est pourquoi je dois... Ah ouais d'accord, il faut payer à chaque fois pour gagner des niveaux. Eh ben d'accord mon ami, je paye. Hein. Voulez-vous équiper? Mais bien sûr que je veux l'équiper. Alors c'est quoi? Botte de train. Vous frappez du pied un ennemi pour lui infliger 38 points de dégâts physiques et le repousser. Ceux qui sont touchés sont aussi... Ah oui d'accord. Et subissent des dégâts équivalents à 10 plus 100% de la valeur d'armure de la créature frappée. Ouais, en gros, c'est un peu un truc d'AE pour repousser une créature vers une autre, tout ça, et foutre un bordel, quoi. On a compris, quoi. Donc, il y a d'autres compétences, comme on peut le voir, mais qui sont accessibles plus tard. On peut voir que c'est pas des compétences, pour l'instant, qui n'ont pas l'air de s'acheter. Elles dépendent du niveau, apparemment. Donc, bah, c'est pas grave, tant mieux. Et roule ma poule en voiture Simone, mon ami. J'imagine qu'après, peut-être qu'en payant un peu, on peut s'améliorer. Je vais en profiter tant qu'on est dans les menus pour aller voir rapidement mon arme. Celle-là, elle défonce sa mère, là. 22 dégâts par seconde. Celle-là, j'aime trop, quoi. Combien elle coûte? J'ai des thunes, moi, ou pas trop, là? Je sais pas si vous voyez où est mes thunes. J'en sais rien du tout. C'est tellement... Où sont mes thunes? En plus, j'ai plein d'objets, là. C'est déjà le bordel dans mon inventaire. Alors, là... Non, non, vas-y, viens là, toi. Viens là. Alors, mais... Ah! Ah non, c'est là en fait. Voilà. Côte de maille. 21 de protection de réduction de dégâts, de protection physique. Excusez-moi, ma langue a fourché. Alors ici, on a émo artefact. Moi, tout ça, on va garder. C'est des bonus, mais qui vont me servir plus tard. Gantelet de maille, très bien. Plus 1 à la protection physique. La cape, c'est de la magie, mais je l'ai déjà. Ça, c'est moins bien. 7 de protection physique également. Très bien. Ici, on commence à sérieusement s'équiper là. Celle-là, on l'a déjà. Donc on va la vendre tout de suite. Ici, gantelet de maille, on a déjà, donc on vend. Très bien. Ici, épée longue, je gagnerai du dégât physique, mais je perdrai en... Non, je vais la mettre, évidemment, elle est mieux.
s'en fout hein, pour l'instant au niveau point de mage plus clic. Voilà, donc ça c'est vraiment bien pratique, tant mieux que j'ai découvert ça. Épée double, plus 1 dégâts, moins 1, ici plus 3 dégâts, donc direct on va s'équiper ça. Normalement si je fais un clic droit ma foi, voilà, comme ça il y a moins besoin de se prendre la tête, très bien. Un petit collier. Non, c'est une bagouze. Normalement, j'ai deux emplacements de bagues, si je ne me trompe. Non, c'était bel et bien un collier. J'ai une deuxième bague ici, 6 de protection magique. Bah vas-y, mon gars, roule la protection magique. Ça, c'est de la daube, on le vend. Ça, un casque, qu'est-ce qu'il est moche. 7 de protection physique, eh ben roule, mon gars. C'est parti, un joli casque. Fashion victime. C'est débile. Hop, ici, elle est moins bien de ce que j'ai. Elle est moins bien. Et ça, c'est moins bien également. Ça, c'est moins bien. Ça, je l'ai déjà. Et ça, comme j'aime bien bien ranger, moi je suis un peu maniaque là-dessus. Voilà. Donc où sont mes thunes? Où est mon blé? Qu'est-ce que c'est que ça? Ami. Eliana qui m'a demandé en ami. Eh bien écoute, je t'accepte sans savoir qui tu es. Soyons fous. Et voilà, j'ai pas envie de te défier, non, t'as l'air plus fort que moi, ça m'arrange pas trop. Et voilà, parce que nous on est comme ça, on est des putes. Et où sont mes thunes? J'en sais rien, j'ai bien envie de me faire cette super épée, quoi. Bon, je vais les garder pour l'instant, on n'a pas trop de difficultés. Je préfère garder mes trucs sans trop savoir, je préfère... attaque, défense, non, attaque, vas-y, c'est parti. On va attaquer celui-là, je me le suis fait. On va attaquer ce château-ci, attaque, voilà. Allez. Par contre, bon, je sais pas ça fait combien de temps que je caste, je vous avouerai que j'ai pas regardé. Bon, je pense qu'on va se faire toute la petite série, et on gardera le château du comte Morgula pour la fin. Le meilleur pour la fin, qu'on refera dans une autre vidéo, je pense. Voilà, donc là, on pilonne. Ah, on peut voir que là, ça devient un peu plus coriace déjà. Attention, là, il va falloir se sortir un peu les doigts du cul. Bon, niveau piège, bon, celui-là, il est un peu plus chaud que les autres, quand même, je dois l'avouer. Tac, attention là, hop. Bon, on va s'éloigner, tout simplement, on va se mettre ici. Et voilà, et on pilonne, là. Une petite AE, un petit peu upgrade l'AE, je pense que ce serait pas du luxe, quoi. Hop, voilà. Tac, ici, voilà ce qui va sortir. Bah, lui, du coup, je vais lui mettre un fou des coups de poing. Voilà, tranquillement. Ici, hop, de la petite AE. Allez, pour vous, je teste le coup de pied. Ah, c'était pas mal, ça, quand même. C'était un chouette move. Tac, tac, tac. Ouais, mais l'AE, elle fait quand même, des putains de ravages. Sincèrement, énervé. Allez, c'est parti. Donc ici, bah, ça crachouille, hein, pas de problème. On connaît maintenant. Donc ici, bah, tiens, un petit coup de pied, ça tombera bien pour toi. Voilà, comme ça, eux, ils sont assommés, ils me foutent la paix. Voilà, voilà. Encore un. Allez, tiens, dégage. C'est pas mal, ça. Ça peut être bien aussi pour dégager un mob un peu relou, en fait. Ça peut être plutôt cool. Ici, une petite granule de vie, vous avez vu. Plutôt cool, comme ça, ça me fait pas consommer mes trucs pour rien. Donc là, on arrive à ça. Ça, c'est un monstre, super, c'est un boss. Donc, il y a quelque chose là où... Comment ça se passe? Ah ouais, d'accord, il y a un boss un peu optionnel. Donc, bah, tant mieux, on va aller lui mettre des pains. On va le pousser direct dans ses petits collaborateurs, là. Attends, parce que là, t'es chaud, là, mon gars, là. Là, tu vas te calmer vite fait. Oh, regardez-moi ça! Vous avez vu le... Ah oui, avec la valeur d'armure, comme c'est un boss, il a fait un carnage dans ses copains. Tiens, dégage. Oh, c'est bon ça, le côté bourrin comme ça, c'est énervé quoi. Allez mon gars, t'es fini, t'es mort. T'aurais quand même pu me lâcher un petit cadeau, hein, sans vouloir faire la pince. T'es un petit peu radin sur ce coup là pour un boss. Allez, c'est pas grave, je vais me venger sur tes petits potes. On va tous les regrouper. Hop, ramenez-vous. Oulala, ils sont chauds. Un petit coup de pied pour faire du dégât direct là-bas. Voilà, un petit pan ici, boum. Ah, ici, je te pilonne toi. Je te mets un pan aussi mon gars. Allez. Bon, je me suis soigné, je sais pas pourquoi. Peut-être que ma vie remonte toute seule dans le temps. Bah, elle a pas l'air de remonter, j'ignore pourquoi. J'ai dû ramasser certainement un globe de vie ou un truc comme ça. Là, il faudra bien que je pense à retourner dans l'autre sens parce que je vais aller voir maintenant. Je sais pas si c'est un... Ah, c'était un cul-de-sac, j'aurais dû aller voir au fond tout de suite. Mais j'ai pas envie de passer à côté d'un trésor ou d'un bon loot ou je sais pas, d'un mini-boss ou quoi. Je vais quand même, y aller. Ah, c'est dommage, j'avais juste des araignées, mais bon, voilà. Ça nous fait une arme en plus, ça nous fait un petit peu de trucs. Donc je sais pas si les armes fonctionnent sur un modèle comme sur WoW, comme là j'ai looté un truc, c'est écrit en gris. Donc à mon avis, c'est que c'est une qualité vraiment pas exceptionnelle. Faudrait que je vérifie ça un peu de plus près. Je skiffe ce piège avec classe pendant ce temps-là. Et ici, bon, bah, du monstre, voilà. Du monstre à bâcher. Donc on va tout de suite pilonner tout ça, là, à base de coups de pied, à base de coups de poing dans les dents. On peut voir que je commence à ramasser un petit peu, donc hop, la petite potion qui va bien. Si tu veux bien en utiliser, là, c'est fait. Ok, apparemment, il y a un petit temps de latence, et là-bas, on a des mages au bout. Donc j'aurais peut-être dû aller... les mages, en général, ça fait du gros dégâts, donc je vais aller les pilonner tout de suite. Et je prends cher, là, quand même, hein. Vous avez vu, je prends du dégâts. On va refaire attention.
Voilà, j'y suis vraiment allé en mode mec qui a la confiance aussi, c'est peut-être pour ça aussi. Là, on va voir que je prends. Ce serait pas mal que je commence à bien dégrossir tout ça. Je vais revoir une potion avant d'être en danger. Hop. J'imagine que... Ah mais il est là, je crois qu'il a ressuscité son pote en fait celui-là. C'est pour ça en fait. Ouais. Depuis tout à l'heure il est ressuscité, je me disais aussi putain, c'est chaud quand même. Voilà, faut faire attention, hein. Il y a un temps de recharge sur la... Sur la potion. Bon là ça a pas posé de problème, hein. Même si j'y suis allé comme un bourrin, ça passe encore pour le moment. Même si à mon avis, petit avertissement que va falloir tout doucement jouer un peu plus safe. Hop, voilà, ouverture de porte. Ah les bâtards, ça veut dire qu'il va y avoir un boss. À tous les coups. Quoi, tu déconnes avec ta cage ou quoi mon gars, tu rigoles? Non mais c'est pas sérieux cette cage. Sans déconner. Ah, je suis arrivé trop tard. Ah non, vous avez vu? J'ai dépassé le temps et du coup j'ai pas le droit à la thune. Ah c'est pas mal. Bah du coup je vais lui mettre 4. Puisqu'il y avait du défi, je vais lui mettre 4. Et je pense que je vais me le refaire. Ça c'est à cause du petit. Du petit temps que j'ai perdu là. J'aurais dû être plus rapide, plus incisif. Je m'endors, hein, vous savez ce que c'est, on parle. Bon, c'est pas grave, hein, je vais vite fait tracer tout ça, on s'en tape. Hop. Voilà, pas de pitié. Voilà, j'imagine qu'il faut quand même pas trop en prendre. Voilà. On va tout de suite se les faire sans plus tarder. On moissonne, on pilonne. Allez, mon gars. Voilà, c'est bon ça. Et puis ça me fait des pièces d'or en plus. Parce que bon, on sait jamais ce qu'il y avait à la fin. Moi, je suis grave greedy comme mec. Petit coup de pied là, ça que tu veux. Tiens, voilà, il m'a demandé. Hop, voilà. Voilà. Mais pour l'instant, ça reste quand même le plus rentable à eux. Hein. Avec de temps en temps un petit pain pour finir le mec. Mais globalement, faut y aller à eux, quoi. Faut pas se fouler. Hop. Ici, on se met hors de portée. Et on envoie. Tiens, toi, tu dégages. Voilà. Tiens, là, encore toi. Là, je focus un petit peu, hein, histoire de dégrossir les rangs, vu que là, ils sont pas tous venus en même temps. Voilà. Hop, et pendant ce temps-là, je continue à ramasser. Là, je crois que c'était une potion de vie, hein, ce que je viens de prendre, le truc rouge. Donc, on va pas perdre de temps, parce qu'apparemment, le bonus est en fonction de... Et en fonction du carnage que j'aurais fait. Là, on fait comme on a fait, on les pousse dedans. Et on massacre. On y va, on envoie. Tiens, des pains, mon gars, un petit coup de pompe, là. Allez. On y va, on envoie. Bim. Et on massacre celui-là, on se le finit avec un pain dans les dents, une petite bouteille de vie. Ouais, donc c'était bien ça, c'était bel et bien de la vie. Là, on va pas se les faire deux par deux, hein. On y va, c'est bon, on connaît maintenant. Ouh, j'ai peut-être été un peu énervé là quand même. Allez, c'est bon, de toute façon les araignées, c'est live, c'est léger, ça va. Tiens, ah c'est bien ça, c'est que vous pouvez maintenir le bouton de la souris et en même temps mettre un pain avec l'autre main, vous voyez. Et mettre des pains tout en maintenant, comme ça vous perdez pas de temps, quoi. Boum, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Là on sait que c'était chaud, on va se prendre une petite potion en préventif là histoire d'être sûr. Et on va tout de suite mettre un coup de pont, on se dégage un passage et on y va là. Allez dégagez là, on va mettre un coup de pont, dégage, allez on se fait les géomanciens là, je sais pas quoi là. Les vilains pas beaux, on dégage ici, coup de pied, hop, potion. C'est chaud, faut se faire eux ceux-là. Allez vas-y, crève, on se fait le dernier, on perd pas de temps, putain j'ai pris cher là. Voilà, hop, on va se ramasser la bouliche également, il en reste un putain. Je vais le tuer parce que sinon il va ramener les mecs, il va vraiment être relou. Hop, voilà, et là, on met des petits coups de pied, hein, pour pas trop se faire déborder, parce que ça calme quand même bien le jeu. Des petits coups de pied, des petits pains, on y va, on se boit une petite potion là. Je crois que je peux pas boire de potion. Oh, c'est tendu. Pourquoi je peux pas? Ah, j'en ai plus, ouais. Merde. Parce que je voyais que le bouton, il continuait à être là, je me disais, ouais, peut-être moyen de négocier, c'est pas grave. Hop, un petit pain, on va se les faire un par un en mode maîtrise là, avec les compétences. Tiens, voilà. Là c'est bon, c'est géré. Un petit pain, et voilà. Quoi, le temps il est passé, non. Non, y a pas moyen, dépêche. Non. Oh non, les boules. Bah les gars, vous voyez qu'il y a de la difficulté. En prenant son temps, c'est facile, mais si on veut la récompense de fin, il faut quand même bien se bouger. C'est peut-être moi, hein, qui, avec mon idée de vouloir économiser mes thunes, n'est pas encore bon, bien comme il faut du gros level. Voilà, là, je gagne un niveau de plus déjà. Oui, je veux l'équiper, je vais en profiter pour essayer de me choper une nouvelle arme. Ah, la charge, ça va être bien. En poussant toutes les créatures affichées dans la zone d'impact sont chargées et repoussées. Ah ouais, ça c'est bien ça. Je vais le mettre en 1 par contre. Alors j'aime bien avoir ma charge en 1. Et le coup de poing je vais le mettre en 2.
comme ceci, et le bottage de train en 3. C'est les bonnes compétences, mine de rien, assez basique, mais c'est bien. Hop, 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 au niveau de l'inventaire, il y a du nouveau. Ça, qu'est-ce que ça donne? Ah, bien, ça, les gars, bien, une épée un peu épique, là. Tac, bien. Et là, tout de suite, épée de cristal, 17 de dégâts par seconde, 2% de critique. Tout de suite, ça va faire la différence. Hop, hop, très bien, bah tout ça, du coup, on liquide. Ça, je gagnerais 18 si je la mets, donc bah, bien évidemment, je vais la mettre. Hop, toi, je te dégage. Toi, tu peux rester. Ok, c'est quoi, ça? 18. Ouais, bon. Ah, c'est de l'archer. Ouais, bon, voltage. Ça, on s'en fout. Ça, très bien, ça, voilà, du nouvel équipement. En plus, j'ai du bon équipement encore, là, qui tombait. Du meilleur équipement que ce que j'avais avant. C'est plutôt cool. Ok. Arme protection physique, on trade. Ici, 2 dégâts par seconde, moins 2%. Bah non, 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 je préfère mon épée magique quand même. En plus, elle a carrément du style. Et hop, je te dégage aussi. Est-ce que l'autre onglet déborde pas trop? Non, ça c'est cool. Ça, c'est du mage, donc on le dégage. Et ça, on le dégage aussi. Alors, où est-ce que j'en suis niveau thune? Apparemment, ça c'est exceptionnel. 6 de dégâts. 2%, ouais, elle est quand même pas mal. Hein. Plus de dégâts par seconde. Pff, elle vaut vraiment le coup, celle-là. Maintenant, niveau 1 à 4, je suis niveau combien? Est-ce que je suis niveau... Ouais, niveau 4. Donc ça, ce sera le maximum. J'aimerais bien, bah voilà, je sais pas où est mon argent, en fait. J'en ai aucune idée, quoi. Du coup, bah c'est un peu difficile de se dire, ouais, est-ce que je peux me permettre de payer 768? J'en sais rien. Ah, c'est ça. Voilà. C'est ça. J'ai 1300. Ah, c'est un peu cher, quand même. Hein. Bon, je vais pas le faire. Je viens de choper une nouvelle arme qui m'a l'air un peu d'une qualité énervée. Donc... bah pour le moment ça va suffire et on va repartir en attaque et on va se faire, mes amis, on va se faire, celui-là c'est celui qui me l'a mis dans l'os je crois. Attendez, hop, Utamorvard j'ai pas fait, niveau 4, je suis niveau 4, je suis équipé, bah moi j'y vais, hein, je suis d'attaque, c'est parti. On va se faire celui-là et je pense que derrière je vais vous laisser parce que ça fait déjà un petit moment que je stream, mine de rien, enfin que je caste. Et évidemment on continuera dans une prochaine vidéo ensemble. Donc matez-moi cette épée qui a complètement trop de style. Donc bah, c'est plutôt cool, en plus j'ai une charge, donc ça je vais me faire plaisir. Qui c'est qui va subir la charge qui va me permettre de me déplacer beaucoup plus rapidement. Là il y a eu un gros fail sur la charge par contre, attention les développeurs parce que ça c'est frustrant quand même. Il y a eu sur WoW pendant un temps il y avait la même chose, c'était assez énervant. Ah ça y est là ça marche, mais bien évidemment là j'ai poussé personne hein. Bon, je crois que mon épée fait plutôt des bons 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 ravages, là, ça fait plaisir à voir. On va continuer là-dessus. Est-ce qu'il y a un petit loulou, là? Voilà, très bien. Ah, il y a des mines enterrées, quoi, carrément. Oh, putain. Oh, attention, là. Ah, ça va, j'ai pas ramassé, c'est bon. Hop, hop, hop. Je sais pas si c'est l'épée, mais en tout cas, ça a l'air de bien dropper. Ah, il y avait un petit... Ah, merde. Ah, oh, quel con. Ah, mais en fait, ça fait rien, c'est de la merde, ça m'empêche de bouger, on s'en fout. Hop, de toute façon, je joue au corps à corps, donc c'est pas vraiment le truc qui est très gênant pour moi. Oh, comment je le remets. Énervé. J'aime bien quand il y en a plein comme ça, on les éclate, ça fait vraiment plaisir. Faut pas trop, par contre, faut vraiment pas que je traîne. Vous avez vu que j'ai pas pensé à créer plus des potions, donc il va falloir être très 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 prudent. Bah toi mon gars, hop, voilà, ça c'est fait. Hop. Tiens. Allez, 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 allez. Et je chope du stuff pendant ce temps-là, un maximum de stuff. Donc là, apparemment, l'exploration, c'est bien. Mais faut pas se faire piéger. Donc là on y est, c'est bon. On peut voir que je suis à peu près largement dans les temps. Apparemment une leçon à vite comprendre, c'est pas de se laisser trop trop piéger sur l'exploration. Donc je vais tout de suite y aller. Paf, voilà, on y va. En fait c'est ça, il faut aussi considérer le donjon par rapport au temps qu'il vous prend quoi. Parce que l'autre vraiment j'ai pas eu cet œil avec lui. Et c'était quand même assez chaud. Mais moi je l'ai bien aimé ce donjon, donc je vais lui mettre 4. Puisqu'il y avait des... Les petits trucs là qui sont attaqués en masse, moi ça m'a bien plu de taper dedans. Donc là bon, on en est où? Ah, j'ai eu que 3 étoiles, apparemment pour avoir toutes les étoiles il faut toutes les faire. Donc bah là mes amis, on va s'arrêter là. Il nous en restera 1, 2, 3 à faire avant le château du comte Morvula pour la prochaine vidéo. Donc on a du taf,